Ce truc de ouf, mon gars. On se croirait à Paname chez Aqua Boulevard en pleine canicule. Si vous avez la ref. C'est la mer noire. Hey yo tout le monde, bienvenue aujourd'hui sur Ultimate Epic Battle Simulator 2. Là, celui-là, on va le mettre comme ça. Non, ça se joue au millimètre, vraiment. Comme d'hab, bien sûr, vous pouvez retrouver le jeu sur G2A. Le lien est dans la description avec le petit code JOLAT, bien évidemment. Eh bien oui, on a vu les choses en grand. Aujourd'hui, on va se faire des soldats américains contre une armée de 1 million de zombies. Oui, j'ai bien dit 1 million, mesdames et mesdames. Et là, vous vous dites, mais c'est pas possible, JOLAT. Comment tu veux qu'une armée de 10 000 soldats américains puisse vaincre une armée d'un million de zombies? C'est pas faux. Sauf que, ce que je ne vous ai pas dit dans ma strat, c'est que logiquement, il n'y a qu'une entrée. Ouais, j'avoue, mon armée est complètement ridicule face à l'armée zombie. Ok, ça y est, ça commence à tirer les mecs. En principe, c'est pas possible qu'ils puissent passer ailleurs. D'ailleurs, vous voyez que tout le tas de zombies se ramènent par ici. Ça commence déjà à être un bain de sang, les mecs. C'est énorme. Bon, déjà, est-ce qu'ils vont réussir à passer le pont? Oh là là, regardez, regardez le bain de sang. C'est vraiment une super stratégie. Regardez, regardez tous les cadavres qui glissent. Oh! Excellent. L'événement est incroyable. L'événement est incroyable. J'hallucine où il passe dans l'eau là-bas. Eh non les mecs, vous savez pas nager. Ma strat fonctionne à merveille pour le moment. Regardez-moi ça, ce carnage. C'est un truc de ouf. Par contre, ça risque de durer très longtemps. Très longtemps. Genre des heures. Un million de zombies quand même, hein. Ça fait beaucoup là, non? Regardez-moi ça sur cette scène ultra gracieuse. Je vous laisse bien entendu mettre un petit like sous la vidéo. Et puis vous pouvez me dire dès à présent en commentaire ce que vous voulez qu'on fasse sur le jeu. Par exemple, vous pouvez me dire des expériences. Pour l'Amérique! Fuck yeah! Attends, pousse-toi mon Jean-Jean. Vas-y, je vais sur le front. Ouh, ça commence à passer? Retourne à ta place, jeune soldat. Tu vas te faire grailler si tu restes là, gros. Oh là là, la folie, c'est un truc de malade. Je trouve ça tellement satisfaisant. Je sais pas ce que vous en pensez. Voyons voir ce que ça donne sur une musique contemporaine. Bon, clairement, on est en train de leur rouler dessus et j'ai l'impression qu'en fait, ils auront aucune chance. Je suis sûr que j'aurais même mis genre 100 soldats. Oh, 100, je sais pas. Allez, 1000 soldats, ça passait. Oh, hop, 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 hop. Mauvaise langue. Regardez où est-ce que ça commence à venir. Ah ouais, ok, d'accord. Oh, ok. Ah, on commence à se faire envahir. J'avais pas vu... Ok, et là je pense qu'il y a moyen qu'on perde. Je vais pas attendre la fin du combat les mecs hein, parce que honnêtement, 1 million de zombies, ça va durer des heures. Mais il y a vraiment moyen qu'on se fasse rouler dessus en fait. Voyez, on a déjà perdu un homme. Le premier, en fait c'est des malins, ils sont en train de prendre l'autre pont carrément. Ah ouais mon gars, mais carrément quoi. Oh, ce truc de ouf. Voyons une autre stratégie. On est d'accord que c'est un pont ça? Je crois. On va rajouter une centaine de chars d'assaut ici et 1000 poulets qui seront placés en pleine ligne de front. Il y a pas de pont. Genre, qu'est-ce que c'est que ça? Ils traversent la flotte? Ouah, c'est quoi ce bordel? Ils sont en train de faire un tsunami, mon gars. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Et attendez, ils marchent sous l'eau? Ah non, ok, d'accord. Ils sont en train de se noyer, tout simplement. Ouah, ok, il y avait pas de pont, en fait, les mecs. Je pensais qu'il y avait un pont. Ce truc de ouf, mon gars. On se croirait à Paname chez Aqua Boulevard en pleine canicule. Oh les bâtards. Vous êtes des ouf, franchement les mecs. Qui a été à Aqua Boulevard pendant la canicule les mecs? Des tarés quoi. Bon allez, j'arrête de raconter de la merde et puis j'arrête le massacre là. Non, n'empêche, c'est bien Aqua Boulevard franchement. Mais c'est vrai qu'à éviter pendant les heures de pointe quoi. De ce que j'en ai vu. Les matheux, posez vos crayons, vos calculatrices. Rien à voir avec le théorème de Pythagore ou quoi. Je vous explique la strat. Ceci est le million de zombies. Une lignée de chaque côté de soldats US. Il y en a 100 000. Ici c'est des tanks. Il y en a 1000, 1000, 1000, 1000. Encore 100 000, 100 000, 100 000, 100 000. C'est des soldats américains. Voilà, autant vous dire que les zombies n'ont aucune chance. 3, 2, 1, Hajime. Ah là mon gars, ok. Là par contre, là ça commence à causer. Regardez le nombre des kills qui montent comme une flèche. Oh, ce bain de sang, c'est un truc de ouf. Bon là vraiment c'est pour le fun, mais je crois que vraiment ils ont aucune chance. Je vois absolument rien, mais je pense que le million de zombies va y passer en 2-2 les mecs, clairement. Sans perdre aucun homme à mon avis. C'est un truc de ouf, ça vole dans tous les sens. Regardez, il y a des zombies qui volent. Mettons là-dessus une belle musique contemporaine.
Bon, clairement, je crois qu'il n'y a aucune surprise. Hein. On leur roule dessus, mais littéralement, il n'y a aucun suspense. Bon, il n'y a aucun intérêt à aller jusqu'à la fin du combat. On aura compris que c'est mort pour eux. 1 million de zombies contre 1 million de canards. Les paris sont lancés. À vos commentaires, qui va gagner? C'est parti, mon gars. Attention. Oula. Oula, ça y est. Ouh, ça se déplume. Attendez, mais les canards, ils sont en train de les mettre mal. Les canards sont en train de déplumer les zombies. Ah, mais clairement, les mecs, on perd à peu près un canard pour 10 zombies. Ah ouais, ils ont des casques et tout, mon gars. C'est des guerriers. C'est un bain de sang une fois de plus. Et c'est une victoire écrasante des canards. Hein. Ça sert à rien d'aller plus loin. Je sais pas sur qui vous aurez misé, sans tricher. Bon, honnêtement, c'était pour la déconnade que j'ai donné les canards gagnants, mais non, non, il y a pas de déconnade. Zéro blague. C'est les canards qui gagnent. Inutile d'aller plus loin. On connaît l'issue du combat. Nouvelle strat. Toujours 1 million de zombies contre 10 000 Spartiates. Sachant qu'ils ont une réputation à tenir. On rappelle tout de même qu'ils ont battu une armée de Perses à 300. Donc une armée d'1 million de zombies à 10 000 ne devrait pas leur faire peur. Et en restant dans la logique, les mecs, les zombies ne devraient avoir qu'une entrée. Ils devraient tous arriver par ici. Allez, on lance le combat. C'est parti. Ah ouais, mais ils restent pas sur place. J'aurais dû leur dire de garder la position. Oh, c'est pas grave. Ok, les zombies commencent à passer. Donc ça contourne la colline. Ils se dirigent tous par là. Putain, c'est un entonnoir, les mecs. Les Spartiates descendent tranquillement. Oh putain, c'est un ouf. Lui, il y va tout seul, mon gars. Et puis il est déter. Hein. Il est déter, le mec. Il prend même pas le temps de prendre la route ou quoi. Putain, mais il est déjà plein de sang, mon gars. Il est parti solo. Ah non, ça y est, il se fait suivre. Oh, on arrive au contact. Premier zombie. Ah, laisse tomber. Quand je vois le ratio des morts, des tués, je pense qu'on va se faire rouler dessus, là. Clairement, les Spartiates vont se faire rouler dessus par les zombies. Ils sont bien trop nombreux. J'étais un peu trop gourmand. Spartiate, quel est votre métier? Et là, normalement, vous me répondez. Ok, c'est une boucherie, mais je pense inutile d'aller plus loin. J'ai été beaucoup trop gourmand. En revanche, si on remplace les 10 000 Spartiates par 10 000 soldats US qui gardent leur position, ça devrait changer la donne. Sachant que là, ils arrivent tous par le même endroit. Ça va être une dinguerie, les mecs. Eux, ils vont se faire rouler dessus. Ils sont pas assez nombreux. Par contre, quand ils vont arriver là, ici, là, ça passera jamais. Ça va tomber comme des mouches. Ouais, tout ça, quoi, boulevard? Allez, c'est parti. Je plaisante, les mecs. Je vous charrie avec ça. Quand même cool d'avoir quoi, boulevard. Sauf quand il y a plein de monde comme ça. What? Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Ils font des roulés-boulés jusqu'en bas. C'est normal. Ils montent mais ils redescendent. Ça fait des roulés-boulés jusqu'en bas, mon gars. Il est parti pour faire un strike. Ok, bon, eux, ils vont pas faire longtemps, c'est sûr. Ah bah là, ici, je vous explique même pas. Il va y avoir un tas de cadavres. Ça va être énorme. Pour le moment, de toute façon, ils ont pas le choix. Ils sont obligés de passer par ici. À moins que je vais checker s'il y a une autre entrée. Mais je ne crois pas si... Ah, à moins qu'ils passent par la droite. Forcément, au bout d'un moment, ça va venir passer par la droite, je pense. Voilà, même s'ils passent par là, après, tac, tac, ils se retrouvent là. Et au final, ils arrivent au même endroit. Ah non, ils esquivent et ils arriveront directement ici. Ça commence, le tas de cadavres. Ça commence, ça commence. Vous voulez pas passer à l'attaque des fois, les mecs, non? Poussez-vous, agent de sécurité à quoi boulevard? Est-ce que vous avez votre ticket? Promis, j'arrête, c'était la dernière. Je suis maître nageur, écartez-vous. Attends, je vais le laisser tranquille. Voilà, oula, 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 les mecs. Oh là, oh là, oh là, oh là, oh là. Oh, ça commence à être un carnage. On commence à perdre des hommes, là. On a perdu 7 hommes, déjà. Oh là là, oh là là. Oh, oh, ce bain de sang, mon gars. Bah ouais, tu m'étonnes. Oh là 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 là. Et puis, ils y vont tous à la queue leu-leu. Oh là là, ce monde qu'il y a, mon gars. Oh, ah, puis c'est pas fini, les mecs. Hein. Non, mais regardez, ça arrive en masse, quoi. Oh là là, ce truc de ouf. On va voir où en sont nos troupes. Bah, à mon avis, ouais, à mon avis, ça va plus durer très longtemps. En tout cas, pour ce coin-là. Ah, ça y est, il commence à se faire prendre par derrière et tout sur les côtés. En tout bien, tout honneur, bien entendu. C'est marrant. Oh là là, oh là 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 là. Là, ça va arriver en haut. Voilà, là, ça va être un carnage. Ça va s'entasser très dur, là. Regardez, ça commence à tomber. Mais où est-ce qu'il tombe? On va les suivre. On va suivre la lignée de cadavres. Ça coule, ça coule, ça coule. Mettons une musique contemporaine là-dessus. Au revoir. Elle est passée sous le béton normal. Oh là là, regardez. Regardez les mecs. Attention, je remets la vitesse normale. Regardez comment ça pleut là. Là, ça va s'entasser ici. Oh là, ça va s'entasser. Là, va y avoir du cadavre ici. Oh là là, ça tombe, ça tombe, ça tombe, ça tombe. Oh là là, tout ce qui tombe, mon gars. Regardez tout ce qui arrive. C'est un truc de ouf. C'est la folie, mon gars. Oh là là, regardez, il continue de glisser. Regardez ça, on dirait un tassement de chipolata, mon gars. On va aller voir ce que ça donne tout en haut. Oh là là, ah oui, 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 effectivement. Oh, bah tu m'étonnes qu'il glisse.
Regardez ce tas de cadavres. Regardez ce toboggan de la mort, quoi, mon gars. Oh, c'est un truc de ouf. Ah bah, puis laisse tomber, mon gars. Regarde encore le monde qui a passé, là. On peut y être jusqu'au bout de la nuit, comme ça. Bon, je pense qu'on va s'arrêter là, les mecs, parce que, sincèrement, le combat pourrait durer encore des heures et des heures. Alors, perso, on kiffe les gros combats. Moi, je kiffe. Mais c'est vrai que c'est très, 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 très long. Très, 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 très long. Et je pense qu'à mon avis, à l'issue du combat, je parierai pas sur les forces armées. Hein. Je pense qu'on se fait rouler dessus au bout d'un moment. Après, je sais pas. Personnellement, on connaîtra jamais la fin de ce combat. Parce qu'on va s'arrêter là, les mecs. En tout cas, vraiment, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Si c'est le cas, vous oubliez pas, hein, vous faites péter le like. Et puis, dites-moi dans les commentaires si vous avez des idées de strat ou quoi. Vous mettez tout ça. Et puis, peut-être qu'on appliquera vos idées dans une prochaine vidéo. Et bien, n'oubliez pas de vous abonner pour connaître la suite des aventures. Sur ce, moi, je vous dis à la prochaine. Ciao. Ouais, non, clairement, c'est une histoire interminable, tout ça.